Chers abonnés, bonjour mes chers élèves lettres en commun. La biologie, la géologie, la physiologie, ce sont des termes scientifiques que vous avez déjà entendus à maintes reprises durant votre parcours scolaire. C'est quoi la biologie? La biologie, c'est la science du vivant, ilm al-hayat. La géologie, c'est la science de la terre, ilm al-ard. La physiologie, c'est une science qui étudie les fonctions et les propriétés des organes, c'est-à-dire وظائف الأعضاء. كيف تعمل هذه الأعضاء في جسم الإنسان? Un nouveau terme que j'ai déjà traité avec vous lorsque j'ai parlé du programme de votre année, c'est la pédologie. La pédologie, mes chers élèves, c'est une science qui étudie les caractères chimiques et physiques du sol. Donc, vous avez bien maîtrisé ces notions-là. Biologie, science du vivant. Géologie, science de la terre. Physiologie, c'est la science qui étudie les fonctions des organes et leurs propriétés. Et la pédologie, ilm al-turba, c'est la science qui étudie les caractères chimiques et physiques du sol. Aujourd'hui, mes chers élèves, c'est la nouveauté. Un nouveau terme qu'on va apprendre tous ensemble, qu'on va éclaircir tous ensemble, c'est l'écologie. C'est quoi l'écologie? Regardez avec moi. L'écologie, mes chers élèves, ilm al-bay'a. C'est la science de l'environnement. Lorsque je dis environnement, c'est l'environnement c'est qui est constitué des êtres vivants, des animaux et des végétaux et leur milieu où ils vivent. Je vais revenir à expliquer ce terme-là ultérieurement. Donc, je le répète, c'est la science de l'environnement. C'est une science qui a pour objectif, qui a pour but d'étudier les interactions. Ça veut dire quoi les interactions? Les relations entre les êtres vivants, كائنات الحية, et leur milieu de vie. C'est-à-dire, وسط المعيش الذي تعيش فيه هذه الكائنات. Mais aussi, entre les êtres vivants, entre eux. Donc, c'est ça la première définition que je peux attribuer au mot écologie. Mes chers élèves, ce que vous devez savoir, que le mot écologie, il fut inventé en 1860 par le biologiste allemand Ernst Haeckel. D'où il vient ce terme-là? Il vient du grec. Du grec du mot oikos, ça signifie maison. Ça signifie habitat, et du mot grec aussi logos, ça signifie science. D'où, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Que l'écologie, c'est la science de l'habitat, c'est la science de la maison. Autrement, c'est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu de vie. Je vous donne un exemple. Là, je vous ai fait un schéma qui représente une prairie. Il y a des arbres, il y a des arbustes, il y a là des oiseaux, il y a là lac. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans le lac? Il y a des plantes aquatiques, il y a aussi des petits poissons. Donc, l'écologie, mes chers élèves, c'est une science complexe qui étudie les interactions entre quoi et quoi? Entre les micro-organismes et leur milieu, c'est-à-dire, je donne un exemple, il étudie la relation, l'interaction entre les poissons, ou bien entre les algues, ou bien entre les plantes aquatiques et leur milieu de vie, où ils vivent. Aussi, comme il peut étudier
les interactions entre les organismes, entre eux. Par exemple, j'en ai ici un arbre. Sur cet arbre-là, ça vit des petits chenilles ou bien des petits vers, dit dans l'arbre. Donc, il y a une relation entre les feuilles d'arbre et ces petits vers. Donc, c'est ça, l'écologie. Retenez bien, mes chers élèves, l'écologie, c'est une science complexe. C'est la science de l'environnement. C'est une science qui étudie les relations entre les êtres vivants, entre eux et entre leur milieu de vie. Je reviens à un autre mot que je vais éclaircir avec vous, que j'ai déjà cité, l'environnement. C'est quoi l'environnement? L'environnement, il est constitué à la fois des êtres vivants, des micro-organismes, plus des éléments non vivants. Donc, comme le sol, comme l'eau, comme le climat. Donc, on a bien tiré au clair la notion d'environnement. Un nouveau terme que je vais rajouter aussi, que vous devez savoir pour votre culture générale, mes chers élèves, un écologue. C'est quoi un écologue? C'est un spécialiste de l'écologie. C'est un spécialiste de l'écologie, tandis que un écologiste, c'est quoi? C'est un défenseur de la nature et des équilibres écologique.